Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans la Procine Critique, on va s'intéresser au cas d'un nanar célèbre, enfin d'un film culte considéré comme un nanar. Les clowns tueurs, venus d'ailleurs, un film qui mélange science-fiction et horreur, sorti en 1988, réalisé par Steven Chiodo, je ne sais pas. Enfin, l'un des trois frères Chiodo, parce qu'il marche à trois là-dedans au niveau de la production et aussi au niveau des effets spéciaux. Bref. Ce film a été considéré longtemps comme un, bah, est considéré comme une œuvre culte de la pop culture cinématographique nanardesque des années 80, puisque raconte la très célèbre histoire de clowns venus de l'espace envahir une petite ville américaine lambda et y semer la terreur tout en amusant la galerie. Alors évidemment, c'est de la série B, de la série Z qui s'assume complètement. C'est un film humoristique et cheap, mais voulu en tant que tel, avec pourtant des effets spéciaux, enfin des effets animatroniques et des costumes et des masques plutôt intéressants. Pardon, pas plutôt intéressants, il n'y a pas de Z à la fin de plutôt, il y a un T. Plutôt intéressant, ouais, c'est moche hein, quand même quand on fait des liaisons hein, parfois. Bref, plutôt bien fait. Et là, au moins, il n'y a pas de liaison, parce que réalisé par des spécialistes en la matière, en effets visuels et en effets spéciaux. Donc, bon, évidemment, c'est cheap, notamment tout ce qui est vaisseau spatial, effets extraterrestres, ça fait un peu, bon, voilà. Mais c'est assez convaincant dans la tonalité humour du film, qui franchement se regarde très bien. Ça a beau être un nanar assumé, je trouve que ce film est intéressant. Voilà, l'histoire en elle-même, elle est super simple, très basique, c'est vraiment une histoire de monstres, de slasher, d'invasion, enfin tout ce que vous voulez, vous mélangez tous les clichés du genre, de science-fiction, et vous obtenez le scénario du film, quoi, hein, voilà, une invasion, bêta, et à la fin, il faut que les gentils retournent la situation et gagnent. Mais il y a des personnages plutôt intéressants dans le film, notamment celui du flic, du shérif local, joué par John Vernon, qui avait fait quelques westerns, il me semble, à l'époque. Et c'est intéressant, ce personnage est intéressant parce qu'il représente un petit peu cette méfiance des personnes expérimentées, voire âgées, enfin des adultes, envers les jeunes. Quelque chose qui était assez, qui a toujours été plus ou moins générationnel de toute façon, puisque ce shérif est un vétéran de la guerre de Corée. Et on le voit vraiment détester donc ces ados ou ces jeunes adultes en train de faire la fête tout le temps et à ne penser qu'à boire ou à s'amuser. Et pendant tout le film, pratiquement, ce shérif ne va pas croire à l'invasion des clowns tueurs de l'espace, ce qui est normal au début. C'est logique. Mais même devant le fait accompli et avec des témoignages croisés même d'adultes qu'il connaît lui-même, très bien et parfaitement, il va continuer à croire que c'est une farce réalisée par des vendeurs de glace locaux, enfin voilà, les frères Terenzi, ou par des jeunes. Et même quand il va avoir un des clowns tueurs en face de lui, il ne va toujours pas y croire. C'est assez amusant. C'est un petit peu ici une critique peut-être des adultes qui veulent pas forcément prendre les jeunes au sérieux. Et ça permet ici de mettre en relief une remise en question potentielle des générations plus anciennes à l'égard des nouvelles générations. Bon, c'est pas vraiment, je pense, un message profondément creusé non plus, mais ça rend voilà, la tonalité de ce personnage plutôt intéressante. Puis autour de ça, vous avez des jeunes locaux donc qui prennent les choses en main, notamment le jeune Mike. Et sa copine Debbie Stone, qui s'associe à l'un des adjoints du shérif d'ailleurs, Dave, qui au début était un petit peu ennemi avec Mike, un peu jaloux et tout, mais qui finalement va les aider dans l'entreprise simple et basique de tuer ou de se débarrasser des clowns tueurs. Voilà. Donc ne cherchez pas d'explication d'ailleurs, d'où viennent-ils, pourquoi sont-ils là? On s'en fiche, pourquoi des clowns? On s'en fiche complètement, et d'ailleurs, c'est pas le propos du film. Non, voilà, ce film met un peu en avant, vous savez, cette phobie des clowns qui a marqué, on va dire, les générations. Cette phobie des clowns qu'on appelle la. Alors, je sais plus comment on appelle
Cette phobie des clowns, regardez, je vais chercher, hein, c'est vraiment du impro ciné critique. Hop, j'en fais tomber ma caméra, si on peut appeler ça une caméra. Cette phobie des clowns, donc, qui a été, me semble-t-il, popularisée par des œuvres littéraires, mais surtout par ce tueur en série dans les années 70, là, voilà, la coulrophobie. C'est moche comme nom. Et pas la clownophobie, hein, du coup. La coulrophobie qui a été popularisée, donc, par certaines œuvres littéraires, mais aussi surtout donc par ce tueur en série, John Wayne Gacy, dans les années 70, qui a tué une trentaine de personnes déguisées en clown. Et évidemment, ça a marqué totalement la culture américaine. Et c'est pas étonnant que quelques années après, Stephen King ait fait un livre, un hit, ça, avec un clown tueur, lui aussi venu d'ailleurs, ou venu de l'intérieur, on ne sait pas trop. Et bien sûr, peu après, donc, on a eu ce clown tueur venu ces clown tueurs venus d'ailleurs, avec après les adaptations, d'abord, voilà, les adaptations de Hit en film télé, puis l'année dernière au cinéma, et encore récemment sur YouTube et tout, sur les réseaux sociaux, cette phobie des clowns qui a été remise en avant avec des clowns tueurs en vidéo, enfin ces pranks là, enfin j'ai pas trop suivi l'histoire, mais bon, vous voyez, c'est intergénérationnel. C'est pour ça d'ailleurs que ce film, aujourd'hui, je pense, marcherait chez les jeunes, même si très kitsch et très suranné. Voilà, ça peut être un film qui ferait mouche auprès des ados d'aujourd'hui. Voilà, donc un film cool, vraiment, auquel je mets un bon 8 sur 10, en prenant en compte évidemment le côté second degré, voire même quatrième degré de l'histoire. Et du déroulement et de la confection même du film. Ce Killer Clowns from Outer Space, puisque ça c'est le titre en VO, qui est quand même un peu plus dégueul, même si en français on a une petite rime interne dans le titre, ce qui est pas mal. Ce film donc a potentiellement une suite qui doit venir. Là, ça fait 2 ans qu'elle est annoncée. Mais on n'en a pas vu la couleur, qui serait encore réalisée par Steven Chiodo. Ou Chiodo, il faudrait vraiment que je sache comment ça se prononce, même si je pense que ça ne doit pas être facile à voir. Une suite qui s'appellerait The Return of the Kill Clowns from Outer Space in 3D. Ok. Pourquoi pas. Mais pour le moment, il n'y a rien de prévu concrètement. C'est dommage. Alors, en même temps, je suis pas certain que ce soit une excellente idée non plus d'en faire une suite. Vous savez, hein. Après tout, ce film cette année fête ses 30 ans, donc quand même 30 ans. Donc ça aurait été peut-être judicieux qu'il sorte cette année, mais là, il n'y a rien en vue. Ou alors ça va être du direct DVD, hein, cette histoire. Mais bon, peu importe. Voilà un film culte à voir, ce genre de choses à voir entre potes. Hein. Des petites rigolades avec une bière et une pizza, là, à mon avis, ça le fait à l'aise. Avec aussi ces Barbapapa, oui, parce qu'ils transforment leurs victimes en Barbapapa. Donc. Ça ne donne pas forcément envie d'aller dans une fête foraine ou dans un cirque, ce film, quand vous le voyez le soir. Mais bon, franchement, il fait pas peur, hein, du tout. Il fait rire, c'est tout. Allez, à la prochaine. Ciao.